Mais moi, en fait, la première fois que j'ai vu Normand, c'était à l'Institut d'hôtellerie. C'est quelqu'un qui déjà m'avait marqué. Et ensuite, quand j'étais dans mon cours de cuisine évolutive avec Jean-Paul Grapp, c'est M. Grapp qui me dit d'aller travailler au Citrus, qui avait là un chef qui était extraordinaire, très prometteur. Donc, c'est là que je me suis retrouvé pour la première fois à travailler officiellement avec Normand Laprise. Mon Dieu, ça fait 27 ou 28 ans, je ne sais plus compter jusque-là. Et puis, en fait, je suis allée cogner à la porte du restaurant où il était chef. Il s'appelait Citrus. C'était au début des années 90. Je sortais de l'école hôtelière en cuisine et je cherchais un boulot. Et il m'a engagée. Celui-là qui reconnaît le plus la qualité des produits, puis c'est le chef le plus authentique que je connaisse. Parce que Normand, ce qu'il a créé, c'est ça. C'est le lien avec ses producteurs. Et des producteurs sérieux, des producteurs qui veulent autant, parfois même plus que lui. Dans mon cas, parfois, j'ai vu que ce soit vraiment à peu près toujours excellent. Il n'a jamais arrêté de chercher le bon produit, d'être proche de, justement des fournisseurs et de discuter avec eux autres. Des fois, s'il y a quelque chose à améliorer, bien, peut-être au point de vue de la nourriture, des animaux, de continuer de faire de la recherche et développement avec ces gens-là pour toujours améliorer puis toujours trouver le meilleur produit, le produit le plus frais. Il va prendre tous les produits des petits producteurs. En tout cas, pour moi, là, je peux apporter à peu près n'importe quel légume ici. Et puis, je sais qu'il va les prendre. La qualité du cuisinier, c'est qu'il a une connaissance très forte des techniques, mixée avec sa créativité, mais aussi son côté artistique. Parce qu'encore aujourd'hui, Normand, c'est un artiste avant tout. Et c'est ça que je pense qui a fait qu'il a su se démarquer de si belle façon. Annexé à ça, je vous dirais aussi que c'est un homme d'une résilience comme j'en ai jamais vu ou rarement vu dans le métier. Puis tous les cuisiniers, puis même ça, les serveurs, les maîtres d'hôtel qui ont travaillé avec lui, bien, ils sont marqués de sa façon de faire, de toujours sa poursuite de l'excellence. Il crée une famille élargie qui s'étend dans Montréal. C'est vraiment, ici, on pourrait dire que c'est le berceau de la gastronomie québécoise. La loyauté est probablement son plus beau joyau. C'est indéfectible, cet homme-là, tu ne peux pas te tromper avec lui. Peu importe les situations, il va toujours être loyal envers un professionnel ou envers un ami. Bien, les relations humaines ont toujours été très importantes pour Normand, puis il a toujours géré ça comme ça. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble à travailler dans un restaurant. Je pense qu'on passe plus de temps avec nos collaborateurs qu'avec les membres de notre famille, des fois. Donc oui, ça a toujours été une approche très humaine, toujours à l'écoute. Vraiment, je pense que c'est le père de la gastronomie. Il n'est pas très vieux ses confrères le targuent de grand-père, mais je pense qu'il a vraiment installé quelque chose au Québec et ce qui est bien, c'est qu'il est suivi par de nombreuses personnes. C'est certain que vous avez raison de l'honorer. Normand a fait énormément pour le Québec sur la scène québécoise, canadienne et internationale. On a pu exister, on a pu traverser les frontières parce qu'il a défriché énormément dans le sens où il a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé et osé faire il y a de ça 20 ans, 30 ans. Mais en plus de ça, il a créé des contacts, il a développé des relations avec des fournisseurs. Et puis grâce à lui, ben, nous, on existe et puis nous, on peut aussi traverser les frontières. Donc, c'est un grand homme. Et c'est certain que de son vivant, je pourrais dire que c'est une sorte de légende, mais certainement qu'il va passer à l'histoire gastronomique du Québec et du Canada. Ah, oh, il est là! Je me suis bien préparée.